Salut champion. Bon, je voulais faire cette vidéo très rapidement pour te montrer ta maison. Donc, je te propose celle-ci et je vais te montrer aussi l'intérieur de la maison. Comme tu vois, voilà les dimensions. La cour peut prendre 3 voitures par 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 6 grosses voitures dehors et 3 grosses voitures dedans. Donc, 7 véhicules au total. Bon, comme tu vois, premièrement, tu as un premier petit balcon privé pour t'asseoir à l'extérieur et contempler. Non, typiquement, beaucoup de maisons n'ont pas ceci. Donc, ça, c'est une maison vraiment unique et spéciale. Bon, là, tu as la grande porte qui montre l'intérieur de la maison. Ici, premièrement, ça peut être comme un bureau. Ou alors une petite salle d'attente, les gens attendent avant d'être appelés de l'autre côté. Là, il y a là où on peut garder les jaquettes, les chaussures. Et là, c'est les toilettes pour les visiteurs. Donc les visiteurs utilisent les toilettes de ce côté. Donc là, tu peux constater que le toit est très très élevé, c'est ce que nous appelons racine, très très élevé. Et là, je t'amène vers le garage d'abord. Ici, c'est la bienderie, dans la machine pour laver les vêtements, dans cette pièce. Et puis de ce côté, tu as le garage interne, qui peut être transformé aussi en autre chose. Donc, il y a trois véhicules, toutes dimensions. Donc, cette salle peut aussi être transformée et elle est une très grande salle. Là, la bienderie. Mm-hmm. Ok, maintenant, ça, c'est la cuisine américaine. C'est le open kitchen dans la cuisine américaine. Maman Saint nous prépare à partir d'ici. Elle est ouverte directement vers le salon. Déjà complètement équipée. Là, les trucs de cuisine pour préparer. Et puis là, il y a plusieurs armoires pour le stockage. Et puis aussi en bas, le foyer chaud ici. 5 foyers chauds. La machine de vaisselle de ce côté, le micro-ondes et aussi le four déjà monté, prêt à utiliser. Avec un système adapté pour absorber la fumée ou bien les odeurs dans la cuisine, dans le frigo ira ici. Voilà quelque chose de très très différent sur ça, c'est la place de salle à manger. Donc la table à manger peut aller ici et le grand salon de ce côté. Comme tu peux remarquer, le toit très 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 très, très élevé qui rend la maison tellement élégante. J'ai laissé les fenêtres ouvertes pour que tu vois l'école primaire est juste là et puis tu vois la très grande cour à l'extérieur avec une clôture privée qui donne vraiment le sens encore beaucoup plus intime de la maison. Ici, c'est adapté. Le soir, quand il y a le soleil, on peut faire descendre tout ceci pour avoir un cadre un peu beaucoup plus privé. Et les enfants peuvent jouer, le barbecue, tout cela peut se passer ici. Donc, d'une façon très, 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 très simple, tu peux voir l'extérieur de la maison à partir de là. Et bon, c'est un peu ça, l'extérieur. Et puis, on a le fin aussi de ce côté. Bon, là, on va dans
le master, master bed stroking. Là, c'est le master. Très grand champ. Toujours avec la visibilité. La visibilité très très ouverte. J'ai essayé de monter les rideaux. Là, c'est le master back swing. Bon. Là, tu as le jacuzzi, le backup, je voudrais dire. Tu as le shower. Donc, tu peux utiliser l'un ou l'autre. Et tu as le walk-in closet. Donc, là, c'est pour les vêtements. Ouais. Là, c'est pour les vêtements, très grand. C'est comme si c'était une autre chambre. Et puis ici, il y a des places pour les chaussures. Ça, c'est la chambre des chaussures seulement. Et puis, le bidet, les toilettes ici, avec plus de storage encore. Mm-hmm. Donc là, ça reste privé. Et non, tu vas remarquer quelque chose, que le toit est très élevé. Même dans la cabine bien fermée et très bien faite. Ok. Bon, on va venir les mots. Et cette chambre, c'est au premier niveau, parce que la maison a deux niveaux. En haut, on a trois pièces. Donc ça, c'est la première pièce qui peut être comme un salon du haut. D'où, à partir de cette pièce, tu vois tout l'extérieur, tout le quartier. À partir de cette pièce, ça peut être une salle de jeu, une salle de répétition, une salle juste pour être, une salle de pour jouer le billard, bien. Donc, laisse une pièce ouverte, bien l'extension du salon. Salon familial. Tu vois, à partir du haut, c'est très beau. Très beau. Ok? Là, on a une autre salle, une autre chambre. La chambre avec le closet aussi. Très belle salle. Et juste en face, on a une toilette complète. Donc, la baignoire et puis toutes les trois pièces. Au couloir, une autre chambre de stockage. Au couloir. Et là, une autre chambre encore avec la lumière qu'on peut régler très bien. On peut baisser ou augmenter la lumière. Grande chambre de stockage encore. Très grande chambre, belle chambre de stockage. Et de ce côté, vous avez la vue. La vue face de la maison. Donc, cette chambre peut aussi être transformée en studio ou bien bureau. Ouais. Parce que ça donne juste la façade. Donc là, vous avez encore une salle de bain. Et puis, ça nous amène dans une autre chambre encore. Ça nous amène dans une autre chambre encore. Avec une visibilité très forte. Très forte. Grande salle de stockage encore. Une penderie. Et puis, on revient par là.
d'une façon très simple, je vais faire le tour de votre belle maison de Dallas. Donc, voici la maison toute fraîche, toute neuve. Et puis, vous allez me dire ce que vous pensez. Ok, à tout à l'heure. Alors, chère communauté, vous voyez, Distance n'a pas arrêté d'impacter les vies. Ça, c'est autre chose encore. Je ne sais même pas déjà comment commenter, mais ça arrive, c'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. Alors, ça, c'est un nouveau site, c'est Wasarashi. Et vous voyez, le plus important ici, c'est que nous sommes à 15 minutes de Dallas et nous sommes à 35 minutes de l'aéroport, donc l'aéroport international de Dallas. Wasarashi, c'est quelque chose de c'est très beau de toutes les façons. On a un terrain plat, juste en bordure, c'est-à-dire que voilà l'autoroute qui est en train de passer de ce côté-là. Oh, je vais vous donner les détails plus tard, mais je vous dis, on n'a pas arrêté d'impacter les vies. On a commencé à le faire et nous allons continuer. Nous allons continuer et voilà, nous sommes encore sur le terrain. Moi-même, je ne suis pas, je suis encore ému. Donc, je veux encore visiter et je vous reviens.